Et dans ce même contexte-là, j'aimerais vous montrer seulement donc le château d'un président français, Valéry Giscard d'Estaing. C'est son blason, vous voyez, de pharaon. Là. Ouais, il est là, le château énorme. Là. Ah, ben il est là. Et M. Chirac aussi, il a un château. Donc ça se trouve ici, en France, là. Là, à côté de Rodez. Et je pense que M. Sarkozy, il a sûrement aussi un château en Hongrie. Hein, parce qu'il vient d'une lignée de rois hongrois. Voilà. Alors, je suis retourné vers ce pont de Pont Saint-Esprit, de 1,2 km, construit par des Templiers. Et les Suisses et les CIA, ils ont empoisonné toute la population ici de Pont Saint-Esprit avec du LSD. Tout ça, c'est lié avec les attaques terroristes en France. Eh bien, les Suisses, ils n'ont jamais fait quelque chose, hein. Alors, ils sont innocents et propres et neutres. Oh, comme c'est beau là-bas, hein. Alors, regardez ma vidéo que j'ai déjà réalisée sur le sujet ici au même endroit, sur le pont-là. Alors ici, c'est le château de Boussargues, des Templiers, quelle chapelle. Ils étaient là, c'est pas loin de Pont Saint-Esprit. Ils ont construit le pont. Tout à l'heure, là, le monsieur il est parti, j'étais pris par un duc en stop de Uzès. Petit pharaon, il était très choqué quand j'ai parlé de l'aristocratie et tout. Il a caché, il a bien caché. Normalement, on n'aurait rien senti. Et j'espère pas qu'il va téléphoner à ce mec ici, là. En tout cas, mais il était très serviable, très gentil, hein. Un vrai gentleman. Hein. Donc, c'est ce que je fais toujours. Je m'infiltre du côté derrière. Oh, ça sera bien pour camper. Et comme ça, quand il me chope, au moins j'ai quelque chose de filmé. The chapel, la chapelle. Alors, je prends un bon cuit devant le château de Boussargues avec le vin des Templiers. Voilà. Oui, il y a le mot sar dedans, comme dans un sarcophage, comme Sarkozy.
Sire, sir, ça vient de là. Sarcophage. C'est une boîte pour foutre le roi dedans quand il est mort. Et le nom officiellement de l'Égypte, de Pharaon, ça vient de Basarka. Ba, c'est l'âme quand on est mort. Sar, c'est le roi, donc l'âme du roi. Et Ka, c'est l'âme quand on est mort. C'est pas Boussark, c'est Basarka. Je suis là, donc, devant le château de Templiers. Il y a le duc de Duzet, du duché de Uzès, qui m'a pris en stop jusqu'à ici. Est-ce qu'il y a une coïncidence? Je dirais non. Avec ma tablette, ils savent où je suis, avec des satellites. Il ressemblait à Himmler, avec ses petites lunettes. Mais tu vois, la descendance de l'aristocratie, il joue au golf. Avec ses pantalons d'échiquier, de franc-maçon. Tu vois, il y a le château là. Il me voit pas. Ma gourde de Templier avec de l'eau. Alors, c'est ça que je voulais montrer. Le pont Saint-Esprit, l'affaire du le pain maudit que le CIA, les Suisses et le, ils ont Alain Dull, un agent dormant suisse, c'était le directeur du CIA. Et le château de Templiers de Boussargues, il est juste là, juste à côté. Mais là, il y a des Templiers, là, partout il y a des points noirs, là. Là, il y a un ancien militaire qui habite là-bas. Il ne veut pas voir des gens. J'étais là. Tu ne rentreras pas. Et le Templier, tu vois là, c'est une autre région là. Templier. Ils étaient partout. Et vous voyez le Sar, le mot Sire, son Altesse Royale. Sarkozy. Je l'explique dans mon film La Bête Suisse. Mais ils étaient là, les Templiers. Ça, c'est Boussargues, vous voyez. Ils étaient là, les Templiers. C'est tout dans Internet aussi. Donc ça, c'est un site, les Templiers de Croisade. Les commanderies par département, ça, c'est l'un. Vous voyez comme c'est épais. Là, c'est épais. Hein? Ils étaient partout, hein. Le château de Templiers, des milliers, c'est l'organisation le plus grand que le monde n'a jamais vu. Ce sont eux qui ont fondé la Suisse, c'est leur base, et le nouvel ordre mondial, le nouvel système. Bon, là, à côté de Lyon, tout ce point vert là. Et il y en a de commanderies, c'est pour les militaires, donc pour l'ordre militaire. Et il y en a de châteaux. Comme là, château de Boussargues, où il y a des seigneurs, et donc qui sont maintenant nos politiciens, les francs-maçons, et leur aile politique, et ils ont encore une aile, donc les fermes de Templiers, que j'ai filmé à 20 sur Carami, où il y a le peuple pour travailler pour eux. Donc ça, c'est la preuve, et c'est tout lié avec le CIA, avec des attaques terroristes en France. Que
Ils ont donc ça c'est lié avec la vache du cerveau du MK Ultra et le château là de Boussargues, juste là à côté. Hein, vous voyez, c'est un pont qui était construit par des Templiers. Et ils ont encore de là, c'est pour ça qu'ils veulent détruire la France et les Français, parce que les Français, ils ont collaboré en 1307 sur le vendredi 13, hein, les attaques terroristes à Paris, hein, que le peuple français, ils ont collaboré dans ce premier grand action policière en 1307, quand ils ont arrêté toute la Templée. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour construire le pont, ce Templier. Après, ils se sont sentis trahis par le peuple. Donc ils ont empoisonné toute la population de Pont-Saint-Esprit. Il y a un lien en dessous de mon film La Bête Suisse qui explique tout ça. Je suis là devant le pont, le Pont-Saint-Esprit. Et je l'explique tout. Comment ils ont fait les attaques terroristes. Je ne suis pas un adepte je ne suis pas musulman. Mais ces mecs-là, ils ne l'ont pas fait. L'ennemi de l'intérieur, c'est Pharaon. Ils nous ont aristocratiques, ils nous ont toujours menti. Ils nous ont menti sur le 11 septembre, donc ils continuent de mentir. Tout est menti. Tout ce qu'ils montrent, là, la télé, tout est menti. Et ça, c'était... À la tête du CIA, c'était à l'époque Alain Dulles, un agent dormant suisse, comme Macron, Manuel Valls, Marine Le Pen, tout. Donc ils ont commencé avec le... Donc ça, c'est ça que je voulais prouver. Et je suis même pas allé de l'autre côté, là, hein, parce qu'ils sont dans l'Ardèche, là, la Drôme, parce qu'ils le Vaucluse... Ils sont partout, le Templier, tout autour du pont Saint-Esprit. C'est l'organisation le plus grand qu'on l'humanité, l'histoire humaine, on a jamais vu, ou pas vu, si tu comprends ce que je veux dire. Et ce sont eux qui ont monté le nouvel ordre mondial, leur base c'est la Suisse, où ils ont tout planqué. Et fais attention aux Suisses, hein. Les Suisses. Alors c'est le temps d'élection, celui-là il vient de nulle part d'un coup. Il a été lancé par le franc-mec, c'est clair. Elle, je l'ai trouvée avec un drapeau suisse. Elle veut un système suisse en France. Et qu'est-ce que je vois? La même affiche comme les Suisses ils utilisent. Donc c'est clair, hein, c'est du Suisse là. Hein. Et ça c'est le système Ordo Apkao. Les Suisses l'utilisent aussi. Avec un drapeau suisse, bien sûr. C'est le Ordo Apkao. D'abord, avec toute l'immigration, ils ont créé le chaos. Et maintenant, ils savent que les gens ils sont prêts à l'ordre à n'importe quel prix, même si les camps de concentration reviennent. C'est leur système. Ils sont tous les mêmes. Alors, peut-être on a fumé, là. Ok. Voilà, donc je suis devant la cité de Carcassonne, à l'entrée où je joue de la flûte traversière et flûte de pan. Et je suis donc avec Sean Ross. On vient de passer l'après-midi à la cité de Carcassonne, où j'ai joué flûte de pan, flûte traversière, pendant que Sean se promenait. Donc voilà, il filme l'entrée là. Et on va reprendre la voiture BMW 750 que vous connaissez pour repartir à Bugarache. Et on va télécharger les vidéos dans un cybercafé en route. Donc voilà. Les Suisses, ils m'ont mis dans le donjon. Ils m'ont torturé. J'ai perdu 30 kilos et je demande de l'aide aux gens qui peuvent m'héberger et me fournir un endroit où je peux continuer à travailler sur l'ordinateur et faire des vidéos pour l'humanité, contre la guerre et pour la France et pour un monde plus juste. Sans ceux qui nous mettent dans toutes ces guerres, ils nous mentent dans un truc qu'ils appellent le parlement. Ça vient de parler et mentir. Parlement. Ce sont des parlementeurs et leur base est la Suisse. La France, toutes ces francs-maçons en France, ils reçoivent leurs ordres des Templiers en Suisse.
Et maintenant, ils ont leur homme, Manuel Valls, agent d'homme en Suisse, à la tête de la France. Donc je demande de l'aide de m'héberger et donner un endroit où je peux travailler sur l'ordinateur.